Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, la riposte iranienne contre l'entité sioniste est imminente. Ses troupes sont mobilisées aux frontières, tandis que les Américains ont dépêché des renforts dans la région. De nombreux pays occidentaux ont dévoilé leur intention de reconnaître l'État de Palestine selon les frontières de 1967, un territoire qui depuis a considérablement rétréci. Que reste-t-il aujourd'hui de la Palestine? On en parlera dans ce journal. Dans l'actualité nationale, retour sur le triple meurtre des chauffeurs de VTC survenu récemment à Sidi Blaabès. Le procureur général près la cour de Zouizef a dévoilé hier les détails de cette affaire. 7 individus ont été arrêtés, un 8e est en fuite. Côté météo, je vous rappelle que l'alerte pluie reste en vigueur jusqu'à 21h sur plusieurs régions du pays. Enfin, sport football, 2e demi-finale de la Coupe d'Algérie. Elle opposera cet après-midi le CS Constantine à l'ES Ben Aknoun. Le CRB est le premier à avoir composté son billet pour les demi-finales. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les craintes d'une riposte iranienne contre l'entité sioniste se précisent. Téhéran a promis une riposte à la frappe menée par l'entité contre le consulat iranien à Damas, qui a fait, je vous le rappelle, 16 morts, parmi lesquels 2 généraux des gardiens de la Révolution. Des signes de tension sont de plus en plus perceptibles de part et d'autre de la frontière. Des compagnies aériennes internationales telles que Lufthansa ont annoncé la suspension de leur vol vers Téhéran et du survol de leurs avions du couloir aérien iranien. L'Iran a saisi également un navire lié à Israël dans le Golfe, rapporte aujourd'hui des médias officiels. Le Premier ministre irakien Mohamed Shia Soudani a quitté aujourd'hui Bagdad pour les États-Unis, où il rencontrera le président américain Joe Biden dans un contexte régional explosif. Selon la Maison-Blanche, il sera reçu lundi pour discuter du renforcement d'un partenariat bilatéral et l'évolution de la mission d'une coalition internationale antiterroriste emmenés par Washington et stationnés en Irak et en Syrie. De nombreux pays occidentaux ont récemment dévoilé leur intention de reconnaître l'État de Palestine selon les frontières de 1967, un territoire qui depuis a considérablement rétréci. Que reste-t-il aujourd'hui de la Palestine? Élément de réponse avec Karim Hasnaoui. L'ONU a bien reconnu en 2012 l'État de Palestine comme membre observateur dans les frontières de 1967 regroupant la Cisjordanie occupée, Al-Quds et la bande de Gaza. Seulement depuis 1975 et le plan sioniste de judaïsation de la Palestine appelé par l'occupant le projet de développement de El-Jalil, des terres ont été spoliées au prix du sang des Palestiniens en faveur des colonies. Ce qui reste aujourd'hui des terres palestiniennes ne dépasse pas les 20%, il devient ainsi impossible techniquement d'appliquer cette résolution selon l'analyste politique jordanien Hamad Afarana. Il y a encore 4 pays qui refusent de reconnaître l'État de Palestine. La décision reste par conséquent gelée. Des pays européens envisagent de reconnaître de manière individuelle l'État de Palestine. Mais pour ce qui est du terrain, la situation est différente. Il y a expropriation et colonisation. La superficie qui a été spoliée et expropriée s'élève à 20% de la superficie de la Cisjordanie. La stratégie de Netanyahou reposait sur 2 points. Le premier, Al-Quds Est et Ouest unifié, capitale de la colonisation israélienne. Le deuxième point, que la Cisjordanie dans son ensemble n'est pas palestinienne ni arabe et n'est pas occupée. Mais tout cela est antérieur à la date du 7 octobre 2023. Justement, une position qui a bien changé après l'opération de la résistance palestinienne Tofan al-Aqsa, puisque l'entité sioniste rejette aujourd'hui toute solution à 2 États. Et au niveau légal, et pour garantir le statut de membre à part entière à la Palestine au sein des Nations Unies, il fallait au Conseil de sécurité l'adhésion de 9 pays au projet de résolution. La condition est enfin garantie. Cette résolution sera votée prochainement par le Conseil de sécurité.
La semaine dernière et pour la première fois, la condition nécessaire pour reconnaître l'État de Palestine comme membre à part entière a obtenu une garantie. 9 pays ont accepté cette demande. Il y aura dans les prochains jours le vote des 15 membres du Conseil de sécurité. Un vote au cours duquel des pays comme la France et la Grande-Bretagne pourraient faire passer la résolution. Reste la position des États-Unis qui n'est pas claire. On ne sait pas si les États-Unis vont utiliser le veto pour stopper la résolution. S'agissant de la position actuelle des pays européens, il faut savoir que la législation de l'Union européenne impose que l'ensemble des pays européens, soit les 27, valident la décision et adoptent la même position. Aujourd'hui, il reste 4 pays qui refusent, d'où l'initiative individuelle des pays européens comme la Belgique, l'Espagne et même la Grande-Bretagne de valider la résolution en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine à part entière aux Nations Unies. Au cours des 6 derniers mois, plus de 700 attaques de colons sionistes contre des Palestiniens ont été enregistrées en Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds Est, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les autorités palestiniennes appellent la Cour pénale internationale à ces pays à poursuivre légalement les colons qui attaquent les localités palestiniennes. Il s'agit de la déclaration du Premier ministre de l'État de Palestine, Mohamed Mostafa, qui s'est exprimé suite à une attaque armée menée par un groupe de colons contre le village d'El Moriar en Cisjordanie. Bilan, un mort et plus de 18 blessés. Les avions de l'occupation sioniste ont poursuivi par ailleurs pour le troisième jour consécutif le raid violent sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza, blessant et tuant de nombreux Palestiniens, rapporte l'agence de presse Wafa. Une école de l'UNIRWA a été prise pour cible. Il est 12h, bientôt 38 minutes sur Alger, chaîne 3. Dans l'actualité nationale, retour sur ce drame qui a récemment secoué la ville de Sidi Belhabès, un triple meurtre de chauffeurs de VTC et qui ont visiblement été victimes d'un guet-apens. 7 suspects ont été arrêtés tandis qu'un 8e est en fuite, selon les détails apportés par le procureur général près le tribunal de Zvizef hier lors d'une conférence de presse. Notre correspondante Inès Mohamed nous en dit davantage. Les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité de la sûreté de Wilaya de Sidi Blabès ont procédé à l'arrestation de cet individu natif de Sidi Blabès, Temouchen Tetlemsen, accusé dans une affaire de triple meurtre. Les corps des victimes avaient été retrouvés enterrés dans une ferme agricole à la sortie de la commune de Moussa Ben Brahim. Les victimes ont disparu depuis le 31 du mois de mars dernier lorsqu'ils étaient appelés à assurer des courses vers la ville de Sidi Blabès. Les malfaiteurs étaient présentés devant le parquet du tribunal de Sfizef. Le procureur de la République, Ahmed Les suspects ont été immédiatement traduits devant le juge d'instruction pour motif d'association de malfaiteurs dans le but de préparer, commettre et participer à un crime avec préméditation, crime de vol de véhicule avec préméditation et dissimulation d'objets volés. Le juge d'instruction a requis la mise sous mandat de dépôt des suspects et l'émission d'un mandat d'arrêt contre une 8e personne répondant aux initiales de BZ actuellement en fuite. Le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire de 5 suspects tandis que 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Les 3 véhicules appartenant aux victimes étaient récupérés et l'enquête suit toujours son cours. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al Jazeera 3. 19 personnes sont décédées et plus de 1000 ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays, rien que durant les 3 jours de Eid al-Fitr, indique aujourd'hui la protection civile. Un accident impliquant un bus de voyageurs s'est produit tôt ce matin sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de la commune de Constantine. 2 passagers sont morts dans cet accident, ce bus qui assurait la liaison Alger-Annaba. Le récit de notre correspondante Hayat. La route continue de faire des victimes. C'est ainsi que ce samedi 13 avril vers 5h, 2 personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées, certains gravement. La cause, un bus de voyageurs qui assure la liaison Alger-Annaba qui a dérapé et s'est renversé au niveau de l'autoroute Est-Ouest et précisément vers le quartier de Zouari en direction de la ville de Annaba. Les 2 victimes, âgées d'une 60aine d'années, ont été acheminées vers la morgue de l'hôpital de la commune du Khroub. Quant aux blessés, ils sont âgés entre
entre 2 et 78 ans. Leur nombre a été revu à la baisse, 14 au total, selon le communiqué de la protection civile qui précise les avoir transportés vers plusieurs hôpitaux, dont le CHU Bambadis. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jishan 3. Un enfant a trouvé la mort hier après avoir été percuté par une camionnette dans la commune de Sepoudja, Achlef, selon la protection civile. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour transférer l'enfant en question à l'hôpital, indique le communiqué. La protection civile de Saïda, elle, a repêché ce samedi dans un puits abandonné le corps d'une fillette dans la commune d'Al-Hassasna. La victime est âgée de 9 ans. Son corps a été découvert hier soir dans ce puits d'une profondeur de 4 mètres et un peu plus d'un mètre de diamètre. La dépouille a été transférée vers la morgue de l'EPH de Abd al-Qader Mahzouz. Les services de la gendarmerie nationale ont naturellement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Le ministre des Moudjahidines présente ses condoléances à la famille du Moudjahid Mohamed Toumi, officier de l'armée de libération nationale et l'un des premiers médecins de la guerre de libération. Le défunt, décédé hier à l'âge de 98 ans, a occupé le poste de chef de service cardiologie au CHU Mustapha Bacha. Il était également l'un des membres fondateurs de la faculté de médecine d'Alger. Suite au décès de la journaliste Houelia Ayari, le directeur général de la communication à la présidence de la République et le ministre de la communication ont présenté leurs condoléances à la famille de la défunte et à l'ensemble de la corporation médiatique. Au volet météo, je vous rappelle que l'alerte pluie est mise depuis déjà 2 jours, reste en vigueur jusqu'à ce soir 21h sur plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays. Les wilayas concernées sont Alouat, Tougourt, le nord de Ouargla, El Mreguer, Lerouat, Gardaïa, le nord d'El Mniha, Tebessa, Khanchla, l'est de Batna et Biskra. Les détails tout de suite après ce journal dans un bulletin météo complet. En prévision de la saison estivale, Air Algérie annonce 42 vols hebdomadaires supplémentaires vers et depuis 11 aéroports intérieurs, une initiative qui vise à répondre aux besoins de ses clients. Les clients de la compagnie aérienne nationale, ces derniers sont appelés à se rapprocher des agences Air Algérie ou contacter le centre d'appel pour plus de détails. Considérée comme une destination touristique par excellence, l'Algérie ambitionne de mettre le paquet sur le tourisme saharien. La saison s'est plutôt bien déroulée. Le bilan tout de suite avec Soraya Roslan. L'Algérie s'impose comme une destination touristique par excellence. Notre grand sud algérien a attiré un grand nombre de touristes locaux et étrangers. Les agences de voyage spécialisées dans le tourisme saharien durant cette période ont fait le plein, selon Nasser Amoumen et Sofiane Ben Ali, gérants de 2 agences de voyage. C'est une année qui a été très fructueuse pour toutes les agences de voyage. Il y avait beaucoup de monde sur le sud, y compris les étrangers, y compris notre diaspora qui sont en France, dans partout dans le monde, y compris pour les locaux. Aussi. C'est une très bonne chose, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire la demande y est, les facilités elles sont là, l'engouement est là, le travail de promotion de la destination d'Algérie, on le fait, on est présent un peu partout. Autre maillon important dans la chaîne touristique, les maisons d'hôtes qui affichent leur satisfaction. Slimane, propriétaire d'une maison d'hôtes à Bni Izgen à Gardaïa. La saison, alhamdoulilah, c'était bien passé, toutes les maisons, toutes les hôtes à Gardaïa, il y a beaucoup de touristes. Là, je suis avec un petit groupe d'Espagnols, Tchèques et Algériens. Les maisons d'hôtes, les hôtels à Gardaïa, cette saison, c'était mashallah. Les nouvelles facilitations ont boosté la destination Algérie, selon Bourad Mohamed, consultant en tourisme. Les choses s'améliorent de plus en plus, que ce soit pour le marché local ou pour l'international. Les mesures prises en ce sens de facilitation au niveau des structures consulaires a boosté un peu la demande sur l'extrême sud. Je pense que les agences de voyage sud et les hôtels ont bien travaillé cette année. Bien entendu, il faudrait améliorer les choses. Les potentialités touristiques que recèle notre vaste pays et les nouvelles facilitations pour la promotion du tourisme sont à l'origine de l'engouement des touristes locaux étrangers vers le Sahara. L'Algérie ambitionne de capitaliser sur le tourisme saharien pour booster la destination Algérie. La numérisation gagne tous les secteurs et permet de faire des économies considérables. L'Office national des œuvres universitaires révèle avoir économisé 5 milliards de centimes depuis l'instauration de la carte étudiant multiservice et 62 milliards de centimes pour ce qui est du transport. C'est ce qu'on apprend dans un entretien accordé par le directeur général de l'ONU, Mourad Korichi, à l'APS, l'agence presse-service. Korichi a fait savoir que plus de 420 terminaux de reconnaissance faciale ont été installés aux
entrées des résidences universitaires à travers le pays afin de les assainir. Les étrangers, ces mêmes terminaux installés aux entrées des restaurants universitaires ont permis cette fois-ci de réduire quasiment de moitié le nombre de repas servis quotidiennement. On arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Siam, bonjour. Alors, on va jouer on poursuit avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie cet après-midi. C'est un match qui opposera Le CS Constantine à l'ES Ben Aknoun, voilà. Un duel de pensionnaires de Ligue 1. La rencontre est prévue à 17h30 au stade Miloud Hedfi d'Oran. Hier, le CR Belouizdad avait composté son billet pour les demi-finales, les rouges et blancs de Belouizdad, qui ont été contraints au tir au but. Et ils ont été tenus en échec. 3-0 par la solide équipe de l'ES Mostaganem. L'ES Mostaganem, leader du groupe centre-ouest de la Ligue 2. 3-0 durant les 120 minutes avec un doublé de Belkhir et un but de Mezien. Le CRB s'est qualifié donc grâce au tir au but. Et justement, je vous propose d'écouter le héros de la soirée, à savoir Islam Belkhir. الحمد لله على التأهل الدور القادم اللي ما كانش بالسهل ولعبنا كونتر ايكيب ما شاء الله يلعبوا فوتبول بيان احنا تاني لعبنا ودرنا كاع اللي علينا والتأهل كان من النصيب تاعنا ان شاء الله احنا نكملوا فيها ان شاء الله باش نلحقوا لوبجيكتيف تاعنا التأهل النهائي. La suite des quarts de finale, donc outre celui de cet après-midi avec CS Constantine ES Ben Aknoun, il y aura demain Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger à 20h30 au stade du 5 juillet et mardi le dernier quart de finale opposant l'USM Alger à l'US Biskra à partir de 20h30. L'USM Alger qui s'est qualifié lui aussi hier lors de la mise à jour des huitièmes de finale en s'imposant 7-0 face au Araïd de Bougar. Le basketball, suite de la 24e journée de la Super Division. Le leader, le Wydad de Boufarik, sur du velours. Tout à fait, le Wydad de Boufarik qui accueillera l'OS Bojbagaric qui occupe la 13e place au classement général. On aura droit également à des rencontres intéressantes. Un Bestaweli USM Blida, Mouloudia d'Alger Nasser Hussende, Oulechbel Trad de Draria, AS Oumlbouagi, CSE Gued de Constantine. Rappelons qu'hier, l'USM Alger avait battu la formation de Nguiba 86-75. Le CRB d'Agbed a battu l'US Sétif 72-71. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Cédric était à la technique, Nejma à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounier. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.